Voilà. Pseudo. Diminutif. Jeu, il y a de l'humour, mais c'est quand même des techniques vraiment compliquées à faire. Et encore des signaux, on peut croire. Oui. Salut. La formation française, on est l'équipe de France donc. Pour cette démonstration de Vovinam Viet-Bodao. Et voici maintenant, Viet-Bodao au Vietnam très bientôt. L'équipe vietnamienne, l'équipe nationale du Vietnam. Alors c'est très intéressant, enfin, on le voit pas trop souvent, le Vietnam est en train de s'ouvrir. Mais c'est tout récent. Avec ce coup de pied dans l'eau, sur le sommet de la tête, il y a une belle maîtrise. Le très beau ciseau. Les ciseaux, historiquement, c'était les techniques qui permettaient aux paysans vietnamiens, en plus plutôt de petite taille, des combattants vifs et pas très puissants, d'aller désarçonner les cavaliers chinois. Qui envahissait le territoire. Et on imagine que la surprise. Ah oui, devait être de taille. Ouais. Un Vietnamien qui sautait d'un arbre et qui vous entraînait au sol avec un ciseau, ça devait faire un drôle d'effet. Qui est depuis peu fait partie de la Fédération française de karaté. Toujours les ciseaux. L'arme absolue du Viet Vu Lai. Voilà, belle démonstration de Vovinam Viet Vu Dao. Bien, ça permet et toujours, également aux jeunes femmes de se défendre lorsqu'un un homme un peu légèrement aviné. Voilà, hop là, l'erreur. Voilà. Il insiste, il est ivre. C'est pour toutes les jeunes femmes qui nous regardent qui se font de temps en temps embêter en boîte de nuit. Ben voilà. Faites du Viet Vu Dao, ça ira beaucoup mieux. Sortir aussi avec une belle ombrelle rose. Joli. Et tout fini par des ciseaux. Abou Binam
j'insiste, à 3 armés. Pour cette formidable démonstration toujours très spectaculaire de Vovinam Viet Vo Dao. Regardez ce ciseau est quand même très impressionnant avec une sorte de tour à 365 degrés.